Bonjour tout le monde, ici l'apôtre Claude McEngo, le pasteur Claude McEngo. J'ai une question à lui poser parce que c'est suite à un commentaire sur Facebook. Il a dit qu'il était l'apôtre de réconciliation. Alors, je lui pose la question, qu'est-ce que c'est? Oui, je voulais répondre à cela en disant ceci. Je vais lire un passage qui est dans la Bible. C'est 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ comme si Dieu exhortait par nous. Nous nous supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ces noms-là des ambassadeurs de Christ, c'est là où est fondé mon ministère. Mon ministère s'appelle Église missionnaire des ambassadeurs de Christ. Donc, nous, en tant que membres, on nous surnomme des ambassadeurs de Christ. Dieu m'a donné cette mission pour réconcilier le monde avec lui. Quand je suis arrivé au Québec, j'ai rencontré les hommes de Dieu, c'est vrai. J'ai rencontré, il y avait 2 ou 3 églises, mais ces hommes de Dieu ne se rencontraient pas. Les chrétiens des églises ne se rencontraient pas. Chacun était dans son coin. Chacun s'occupait de son église. Si je demande à quelqu'un, où tu pries? Moi, je prie chez un tel. L'autre, il dira, j'ai pris chez un tel. Moi, je me suis posé cette question en lingala, comme on dit, banane de bamouyesu. Ça veut dire que qui sont appartiennent à Jésus, qui sont à Jésus-Christ. Parce que tous appartiennent à quelqu'un. Je pensais qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Alors, ça m'est venu à mon cœur. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, si c'est possible, aide-moi. Je veux vraiment qu'il y ait l'unité du corps de Christ, que les chrétiens se retrouvent, que les pasteurs se retrouvent, que les hommes de Dieu se retrouvent ensemble. Parce que nous formons un corps. Nous formons le corps de Christ. Car là, si nous sommes unis, si nous sommes ensemble, ça sera une force pour l'Église, ça sera une force pour le corps de Christ, ça sera une force pour nous qui sommes missionnaires ici au Québec. Alors, Dieu m'a parlé une chose en me disant, Claude, ça c'est une chose, ton peuple congolais, le peuple congolais, à l'époque c'était le peuple zaïrois, il me dira, le peuple zaïrois aime danser. Oh, moi je ne savais pas. Je dis, comment je peux raconter? Parce que c'était difficile, j'ai essayé de ma manière pour organiser des choses, pour rencontrer. Quand Dieu m'a dit, j'ai fait un échec. Mais Dieu m'a dit à cœur, appeler, inviter un homme qui peut booster un homme qui a... L'onction? Qui a la renommée musicale, qui peut booster le peuple, qui peut rassembler le peuple. Alors j'ai fait appel à notre frère Charles Mumbaya. C'était le premier concert de notre frère Charles Mumbaya en tant que chrétien de 25 ans musicien. C'est la première fois qu'il jouait en concert publiquement. Et il a fait ça ici à Montréal. C'était quelque chose de grand. Il y avait des chrétiens qui se sont retrouvés pour la première fois. Les pasteurs se sont retrouvés pour la première fois. Ensemble, unis pour la gloire de Dieu. Alors, ce ministère-là de la réconciliation s'est accompli. Alors, c'est ça. Cette mission-là, ça continue avec Dieu qui m'a mis cette mission pour les Québécois, de réconcilier les Québécois avec lui-même. Il m'a mis comme apôtre. Apôtre de la réconciliation du Québec avec le Christ en amour. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, pasteur. Merci.